C'est Elaz Mamadou Bobo Diallo, présenté par le groupe scolaire privé Saint-André-de-la-Baie, qui s'est classé premier de la préfecture à l'examen d'entrée en septième année, session 2019. Je suis heureux parce que j'ai été premier de la baie. Pour mes parents, j'ai à dire, ils m'ont aidé parce qu'ils ont pris ma scolarité, ils ont payé mes révisions, même ils ont payé des révisions à la maison. À l'école, pour les maîtres, ils nous ont beaucoup aidé. L'admission d'Elaz Mamadou Bobo Diallo et son rang à son premier examen national donne un sentiment de fierté à ses parents. Ah, je suis très contente et très très fière de lui. Ah, je remercie Saint-André et j'encourage les autres encore. Je vais continuer de l'encadrer. Son école a réalisé un score impressionnant de 100% avec 76 admis sur 76 candidats présentés. C'est pour vous dire, je vais vous dire d'abord merci, merci à vous d'être là. Et je vais vous dire encore que vraiment je suis très content du résultat. Ils sont tous admis. Donc le premier de la préfecture est sorti de Saint-André. Donc nos efforts sont toujours récompensés. Je vous dis merci. Le petit Alpha Mamadou Bobo Diallo a été encadré en classe de 6e année par un expatrié de nationalité togolaise. Moi je suis très ravi de l'exploit que mes enfants ont réalisé. Et en même temps, plus que mes efforts aussi fournis durant toute l'année. Il convient de signaler qu'avec 64% d'admis à l'examen d'entrée en septième année, session 2019, contre 80% en 2018, la préfecture de la baie a beaucoup régressé.